Bonjour, aujourd'hui on est le 13 mars et je vous annonce donc l'arrivée officielle de la nouvelle playlist qui va être Fun for a Pair. Donc c'est tous les jours une nouvelle petite vidéo sur comment réaliser une activité manuelle, un jeu, n'importe quoi. Tous les jours un nouveau jeu à faire, une nouvelle activité à faire avec les enfants. Donc j'avais déjà commencé un petit peu de façon non officielle. Pour la Saint-Patrick, parce qu'on m'avait demandé comment j'avais fait mon arc-en-ciel en Angelo. Donc ben là, avec tous les témoignages, j'ai juste décidé de continuer. Donc on fait ça un peu plus officiellement, officiel, plus classe, hein, on fait un nouveau truc. Donc voilà, donc vu que Pâques arrive bientôt, on va commencer par un truc facile. Ça demande 3 minutes top chrono et je suis sûre qu'on peut faire moins. Donc voilà, on va faire un lapinou. Oui, il faut imaginer, c'est un lapinou. Moi, j'ai les enfants, ils se traînent avec leur blanquette, là, un morceau de tissu qui ressemble à rien. Donc aujourd'hui, on va un petit peu le customiser. Bon, bien sûr, c'est pas ça, ça c'est un de mes... Donc ce dont vous avez besoin, c'est d'un morceau de tissu, voilà, et de petits élastiques, comme ceci. Donc si vous n'avez pas des comme ça, c'est pas grave. On peut prendre des élastiques de cuisine, des vrais élastiques à cheveux, on s'en fiche. Donc vous prenez votre morceau de tissu. Il faut que ce soit un carré. Si c'est pas un carré, vous vous démerdez, vous le pliez pour que ça fasse un carré. Donc, comme ça, vous avez votre carré, on le plie en deux pour faire un triangle. Tout le monde voit le triangle, parfait. Ensuite, on prend le coin du haut. On le dessine un petit peu et on le noue. On va faire la tête du lapin. Voilà, tu le noues. Tu le laisses bien dépasser un petit peu. Donc, voilà, on a la tête. Et hop, on sépare. Les deux petits bouts, ça fait les oreilles. Ok. Donc là maintenant, on pose petit lapinou par terre. Voilà, comme ça. Et donc, on prend un premier coin. Et on fait un petit nœud au bout. Ça va faire la première patte de devant. Voilà. On prend le deuxième coin et on fait la même chose. On fait un petit nœud. Voilà, donc là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on a nos deux coins de la tête. Donc là maintenant on remonte les deux mains comme ceci. Ok, ça a formé le corps du lapin. Et donc là on prend notre premier élastique et on le met. On fait attention qu'il ne casse pas, sinon on en prend un nouveau. Et on le met autour du petit lapinou. Donc bien sûr, vous pouvez décider de faire une taille plus petite, une taille plus grande. C'est vous qui choisissez, c'est votre lapin. Si vous voulez qu'il soit obèse, vous le faites obèse. Si vous voulez qu'il soit mince, eh bien, il sera mince. Hein? Chacun fait comme... Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Donc, voilà. Vous devriez, au bout de 2 minutes, vous devriez arriver à peu près à ça. On a fait le plus dur, là. Voilà, on a un petit lapin. Donc, s'il porte une jupe, vous pouvez le laisser comme ça. Mais on continue. Donc là, on le remet devant. Voilà, il est tout beau, tout propre. Et là, on fait la même chose. On prend... Là, tu fais un peu le... Hop, je suis en train de réfléchir. Voilà, donc on prend en bas. On prend un deuxième élastique. On fait... Comme on avait fait pour les mains avec l'élastique, on fait une petite patte. Pas trop grande, mais grande quand même, parce qu'un lapin, ça a des grandes pattes. Voilà. Hop. Une. Donc, on fait la même chose de l'autre côté, parce que le lapin, ça a 2 pattes. Vous voyez, hop. Ça pour l'instant. Donc, attendez que je... Hop là. Là. Parce que tu sais que ça ressemble un peu à quelque chose quand même. Donc, c'est de faire un peu parallèle. On prend un autre élastique. Et
Et voilà. Oh, j'ai pas fait mes pattes droites. Bon, c'est un lapin qui danse. Voilà. Et alors, le dernier élastique qui va vous servir, il sert à faire la petite queue. C'est le même principe que les pattes. Je suis pas fan. Donc, si vous le faites pas, franchement, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, tu prends le truc, tu prends un morceau de tissu et tu fais un pompon. Voilà. Petite queue de lapin et votre petit lapin. Et voilà, vous avez créé en 3 minutes un doudou avec l'ancien doudou ou avec le nouveau doudou. Tu peux le défaire et le refaire à volonté. Voilà, 3 nœuds, 1, 2, 3, 4 élastiques, 3 minutes. Super activité pour commencer la sensibilisation pour Pâques. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Surprise, on reste sur Pâques encore jusqu'au 31 mars. On restera sur Pâques puisque ben, on arrive à Pâques. Donc jusqu'au 31 Pâques. Voilà, petit lapinou. Mais pour petit lapinou veut faire dodo. Je vous laisse faire dodo avec. N'hésitez pas à prendre vos photos avec vous ou les enfants en train de le faire. Ça serait super, franchement. J'ai trop hâte de partager toutes vos photos de tout le monde avec. Avec ça ou avec les autres activités qu'on fera. Franchement, faites partager vos idées. Et si vous en avez, faites-les aussi. Faites une photo de ce que vous avez fait avec les enfants. Franchement, j'ai envie qu'une chose, c'est de partager avec vous. Si je fais ça, c'est pour le partage. Donc, on y va, on partage. Ciao, ciao les gens. See you tomorrow.